Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Trollen Kingdom, la série où je troll Fallen Kingdom. Alors on va avoir de l'action aujourd'hui comme vous allez le voir après dans l'épisode. Je voulais juste faire une mini pub très rapidement à 18h sur ma chaîne Texama. Il y a une vidéo très importante pour moi qui va sortir que j'ai mis pas mal de temps à réaliser. Ça montre l'essence même de cette chaîne Texama selon moi, donc si vous ne connaissez pas la chaîne, allez juste voir cette vidéo. Si vous aimez, ben, je pense que vous devriez aimer la chaîne de manière générale. Et si vous n'aimez pas, ben, c'est pas grave. Donc voilà, merci d'avance à tous ceux qui iront voir donc à 18h par rapport à la sortie de cette vidéo qui sera évidemment à 17h. Passons à l'épisode. Oh, c'est la fin du jour 5, fuck. En fait, quoi que non, c'est bon, c'est pour ce jour-ci que je fais ce défi. Ok, bon ben on se retrouve normalement. Je sais pas comment je sépare cette série, honnêtement. C'est un peu compliqué, hein. Ok. Hop. Voilà, un premier. Enlève-toi du chemin, merci. Et voilà ton cousin que j'ai déjà tapé un petit peu, c'est pas grave. Ok. Et je vais juste en rajouter un petit peu, genre là-haut. S'il ne bouge pas trop, parce qu'évidemment il s'amuse à bouger, pour qu'il y ait un petit peu plus de défis. Je pense que là c'est déjà un peu plus hardcore, mais je pense que c'est encore trop facile. Il y a de quoi faire une potion, ça doit être plus compliqué quand même. Ok, voilà. Et du coup, évidemment, on les renomme pour éviter qu'ils despawnent à nouveau, parce que j'ai pas envie de refaire tous ces mobs ou autre chose, moi. Ok, tous les Jean-Luc 4 sont là. Il y en a une bonne quantité. On va rajouter plus dans la cage en réalité parce que là ça devient un peu trop facile. Voilà. Alors là, franchement, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Les coordonnées de la grotte du coup c'était 50-90, ok. Du coup, je retiens ça. Je vais juste aller vérifier où est l'équipe rouge. Pas envie de trop avantager. Ok, ils sont chez eux, ça devra aller. Ok, eux ils sont chez eux aussi. Ils se préparent parce qu'ils vont bientôt pouvoir envahir les bases de l'un à l'autre. Mais du coup, là, je leur donne un bon petit avantage parce qu'il y a de quoi faire vraiment une potion. Genre, c'est pas une potion de force, mais on peut faire une potion de speed. Et une potion de speed peut pas mal aider sur une map aussi petite pour se déplacer, justement. Ça permet de gagner pas mal de temps, donc ouais. Alors, du coup, on est en 50-90 et on va indiquer le défi. Ok, la grotte au trésor est à nouveau verte avec Blaze Rod et Nether Warts. Allons voir la réaction d'équipe jaune, par exemple. Normalement, ils ont l'obligation d'en laisser. J'espère que toute l'équipe, toutes les autres équipes ont bien compris ça. Parce que ça se trouve, la deuxième équipe est venue. Grotte au trésor, à nouveau ouverte. Avec Blaze Rod, Nether Wart en 54... Non, j'y vais pas. Mais si, vas-y. Maintenant que je suis là... Non, mais en plus, je suis super loin, donc non. Vas-y. Genre, je suis en 400. Non, mais elle n'y va pas, mais... Ça aurait été sympa, des Blaze Rod et des Nether Wart, là on aurait évité... Ah, l'équipe rouge y va. Évidemment, l'équipe rouge y va. Pourri. Si l'équipe rouge y va, je vais rajouter plus de défis. Pour justement être sûr qu'il n'est pas trop facile. Hop 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 hop. Vite. Voilà, qui devrait rajouter un peu plus de défis, c'est pareil vous. Tout le monde a un nom, c'est bon. C'est l'équipe rouge un peu trop puissant, donc là je leur donnerai un trop gros avantage. Donc je veux qu'ils aient un vrai défi. Allez, chez ce Blaze Rod. Mais au moins c'est un Blaze Rod facilement obtenable, hein, parce que quand vous allez dans les forteresses, des fois vous n'avez aucune garantie d'en avoir un. Donc là, c'est faisable. Faut juste bien s'y prendre. S'ils avaient un arc, ils auraient plus facile. Ok, les voilà. Par contre, ils ont eu aucune hésitation par rapport à la malédiction. Je vais aller les écouter. Ok, donc surveillons. Oh. Ah. Ah. Allez, go hein. Jean-Luc. Aïe. Ils font mal. Hop. Tu vas chercher les trucs. Ouais. Vas-y. Évidemment. Ah, ok. Là, ils ont du défi. Ça devient intéressant. J'essaie de casser le... Il faut casser pour rentrer. Du coup, c'est compliqué, mec. Attends, j'arrive. Faut que je recule pour régène. Vas-y, régène. Ah, c'est excellent. Dommage, c'est pas les squelettes de la 1.9. En plus, ils se tirent un peu dessus, cette bande de cons. J'ai plus d'HP, du coup... Surveille bien que ça nous arrive pas dessus. Ouais. Pour l'instant, y'a rien. Hop. Ça va, il me semble. On va jeter un petit creeper juste derrière. J'ai presque buté. J'ai voulu passer par l'arrière, mais j'ai pas réussi. Oh! Ça a cassé les carpettes, du coup, y'a un énorme trou pour sortir. Attention que ça nous arrive pas. Vas-y. Ils l'ont eu? Tu l'as fini et je réadore. Ils l'ont eu?
Ah, il régène, ok. Il a toujours pas eu. Voilà. Il y a une Blaze Rod, 8 diamants de la Nether Wart, des patates, comme d'habitude, sa marque de fabrique. Il y a une Blaze Rod, comme je te disais, 8 diamants. Une Blaze Rod, c'est pas suffisant, mais c'est yep. C'est pas grave, c'est mieux que rien, c'est mieux que rien. Viens, on se casse. Déjà, on peut faire les potions, parce qu'avant, on ne pouvait pas les faire. Okay. Exactement, bon. On peut faire les popos. Donc c'est nickel, merci Luc. C'est proche d'une cavité. J'ai pas entendu la fin. On apprécie fortement. Est-ce qu'il y a pas, attends, est-ce qu'il y a pas d'autres... Fuck, du coup, je voulais pas autant les avantager, là. Ils ont eu du mal, évidemment, mais le problème... Au final, mon problème, c'est que les autres équipes, elles veulent pas. Elles participent pas, en fait. Je leur donne plein de possibilités de faire des trucs et ils viennent pas, quoi. Ah là là. Bon. Il va falloir... Je sais, honnêtement, je sais pas trop quoi faire, là. Bon, j'aurais pas donné des potions de force, donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ils ont pas des vraies potions de force. Par contre, il me semble qu'il y avait du melon au spawn. Est-ce qu'ils avaient mis du melon au spawn? Il me semble, hein. J'ai cru le voir casser du melon à un moment. Ils doivent avoir du melon. Donc, ils ont peut-être des potions de régène. Bon, il y a la régène naturelle, mais ça peut être quand même un petit peu compliqué. Ah, c'est compliqué, là. Du coup, je sais pas comment... Là, j'ai donné pas mal d'avantages à l'équipe rouge, donc il faut que je leur reprenne quelque chose. Ok, bah je pense qu'on va réinvoquer la malédiction de la grotte. Tout simplement. Allons les écouter. Bien, c'est bien, c'est bien. On va espionner, ça fait du bien. C'est bien, heureusement qu'on n'est pas en 1.12. Non, effectivement. Sinon, c'est après dessus. On se pourrait se pousser. Ah! Quoi? T'es tombé? Je suis tombé. Ah. Ok, je vois leur base, mec. Voilà. Je vois leur base. La malédiction de la grotte touche à nouveau l'équipe rouge. Non! On n'est pas là. Donc tu vois leur base? Ouais. Ok, donc ils ont un lit, ils ont des plantations, ils ont de la brique. Ils ont un truc en l'air. Ouais, mais c'est leur lit, c'est leur lit. Mm-mm. Mais d'ailleurs, nous, ok, ils observent l'équipe jaune. C'est pas con, hein, l'équipe jaune de les attaquer. Eux, ils sont dans leur base, c'est sûr. Est-ce qu'on va les voir? Est-ce qu'on va voir les bleus aussi, comme si on dit qu'on a fait le tour ou pas? Moi, si tu veux. Je suis parti. Bah, vas-y, viens, du coup. Je suis descendu tout droit sur le chemin. Ok, bah, retourne vers notre retourne au village. Tu sais aller au village ou pas? Ouais, je suis le... Alors. Ok, je te vois. Ils vont voir les autres équipes. C'est le moment de peut-être offrir notre malédiction à justement leur base. Mais quel genre de malédiction? C'est ça que je me demande. Quel genre de malédiction on pourrait faire à leur base? J'ai pas envie de griffer leur base ou autre chose, hein, je tiens à le préciser. Je veux juste faire un piège dans leur base, qui est totalement différent. Ouais, un piège serait pas mal en réalité. Je ne sais pas trop quoi faire comme forme de piège. J'aurais bien mis des cobwebs, puis je me suis dit, non, ça va leur permettre d'avoir des arcs, on va éviter. Quelque chose de très embêtant, mais qui n'avantage pas le joueur. Il nous faut quelque chose dans ce genre-là. Peut-être des slime blocks. Un peu partout. Mais non, ça c'est trop gentil en réalité pour quelqu'un qui est un peu trop avancé. Et en même temps, ils sont avancés de ma faute en partie, donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais faire qui les désavantage un petit peu? Ils embêtent, une malédiction quoi. Mais pas trop non plus. Ah oui, je serais limite tenté d'avoir un dispenser. Ah oui, c'est pas mal ça. Un dispenser avec une splash de poison. Ça, c'est pas mal. Une minute 30 ou une poison 2 de 16 secondes? Ça, je ne sais pas trop. Une minute 30 de poison me semble plus violent. C'est embêtant, quoi. Et du coup, dispenser. Et je vais mettre juste une potion, donc comme ça, ils peuvent pas récupérer en mode... C'est évidemment, si je mets deux potions, le dispenser va s'activer qu'une seule fois. Et ça ne va pas du tout. Allez, du coup... Voilà. Oh, ça se voit presque pas, c'est parfait. Oh, c'est parfait. Ok. Et on met la petite potion de poison qui va forcément se mettre. Ok. Voilà un premier petit piège. Plutôt gentil en réalité, on va être très honnête. Ceux qui peuvent régénérer derrière. Maintenant, allons voir ce qu'ils sont. Parce que j'ai envie de leur mettre le... Oh, ils sont littéralement sur l'équipe bleue là. Mais ils peuvent pas encore attaquer la salle des coffres si je me souviens bien. Ils peuvent juste par contre... Ils peuvent aller prendre quelques bouts de stuff ou autre chose. Je vais les laisser faire parce que ça fait partie du jeu selon moi. Par contre, c'est dommage qu'ils fassent ça à l'équipe bleue, parce que c'est l'équipe bleue qui avait le plus de mal. Ils essayent de foutre en l'air les cultures, j'ai l'impression. L'équipe bleue n'a rien remarqué. Rien du tout, quoi. Ok. Juste au-dessus. Voyez pas des pseudo? Ah. Non, 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 remonte pas tout seul. Non, 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 non. Léo.
Ok, ah. Oh là là, non, 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 non. T'es fichu, mon vieux. J'aurais essayé d'aider. Mais il attaque avec sa pioche en plus. T'as pas une épée? Oh. Oh là, je peux rien y faire. Oh non, et tout leur stuff, quoi. Oh, l'équipe bleue. L'équipe bleue. Je pense qu'il va falloir nerf l'équipe rouge. En plus, ils s'amusent à les kill, quoi. Regardez ça, les pauvres. Regardez les pauvres. Pff. Assaut autorisé. Non, c'était ouvert. C'était ouvert. Ah oui, ils peuvent rentrer, donc c'est autorisé techniquement, vu que c'est techniquement ouvert. Mais... ah, je pense que l'équipe bleue n'est pas trop contente de cet événement. Où est-ce qu'ils vont, là? Pourquoi ils vont dans les grottes? What the... pourquoi aller dans les grottes, quoi? Oh, il y a de l'eau en superposition. Ah, ils sortent par là, ok. Ah oui, ils peuvent pas sortir par là. Ils peuvent pas casser le bloc. Mais ils peuvent casser des blocs en dehors, ok. Donc ils ressortent par là. Bon ben GG. Ok, je vais aller voir l'équipe bleue parce que je pense qu'ils sont dégoûtés là. On recommence pas, hein. Ah non, ça me saoule. Non, franchement, c'est horrible. Oh, pauvre équipe bleue. C'était ouvert où? Je sais pas. On n'avait pas ouvert. Normalement. Les vaches, quoi. Bah non, mais vous ont tout cassé. Genre, on n'était pas du tout. Mais où que c'est ouvert? Non, mais en bas, peut-être. Ils ont dû monter. Ah, ils leur donnent du stuff quand même. Ah, ok. Bah, on les aurait vus, hein. Ça arrive souvent, c'est jamais arrivé, j'ai regardé tout. Mais, what? Bah, c'est pas moi, hein. Qu'est-ce qu'ils essayent de dire? Même pas. Arrière où? La neige, on peut sauter easy. Quoi? Ah, oui. Yup. Quoi? Ouais, ils peuvent sauter. Assaut par les arbres, pas autorisé, ouais, on peut mais sauter. Assaut par la neige autorisé. Ouais, c'est techniquement autorisé, assaut c'est ouvert. Assaut par les arbres, interdit, c'est ouvert. Mais par la neige. Attends, t'es en train de me dire que... t'avoue, ça a aucun sens, c'est la même chose. Oh là là, moi les changements de règlement en cours de route, là. Attends, tu veux pas m'ouvrir? Ah, les pauvres kibles bleus. Et en plus, l'équipe rouge reste. Hé, hey, partez. Ouais, vous avez cassé notre flow, là. Non, je m'en fous, là. Je vais aller voir, pauvres. Mais c'est... ah, je ne veux pas entendre ça plus longtemps. Là, là, je... de mon côté, enfin, moi, je peux pas faire grand-chose. Enfin, selon moi, enfin, c'est... si Siferno dit que c'est bon, la neige, selon moi, c'est bon, la neige, s'il le dit, quoi. Mais c'est vrai que, selon moi... bah, après, ils auraient dû, oui, ils auraient dû vérifier, hein. Ils auraient dû mettre un peu plus de cobalt. Rajouter une deuxième ligne de cobalt, quoi. Dommage, dommage. Ouais, ils ont plus de vaches, ils ont perdu leur level. Même moi, je peux pas leur donner un bonus en fait pour essayer de les remettre dans le jeu parce que ce serait trop en fait. Mais je vais essayer de les aider quoi, mais je peux pas non plus trop les aider. Bah, il est mignon, mais c'était les vaches moi qui me... non, mais les vaches c'est super. Bonjour. Chiant. Bonjour. Au revoir. Moi, je joue je plus. Mais t'as rendu la sharpness 3? Je pense aussi personnellement que la neige est un peu... bah, c'est cheat ouais. Ça. Du bah coup, non, mais peut-être nous, on a que certaines créatures truc. Vont apparaître comme par magie chez vous. Ça arrive. Ce attends, sont des choses qui arrivent. T'as la Sharpness 3 parce que oui, oui, oui. J'ai la Fire Aspect et la Sharpness 3. J'ai le Protection 1. T'as le Protection 2, toi? Ils sont partis, l'équipe rouge? Ouais, ils sont partis, mais ouais. Je pense qu'ils nous ont pas tout rendu. Hein. Bah non. Voilà, un couple de vaches. Merci. Et ça se fait comme si c'était rien passé. Voici mais par contre... une petite compensation. Évidemment des patates. Mais ils ont tout pris. Ils sont partis. Non, ils ont rendu le diamant, mais par contre, ils ont pris plein de trucs. Hein. Voilà. Ah bah oui, hein. Est-ce qu'ils ont pris votre table d'enchant? Vas-y, vide ton inventaire, je vais faire un bilan de ce qu'on a. Ouais, ok. Non, ils ont laissé votre table d'enchant. Okay. Bah, sérieusement. Bon, voilà. C'est le maximum que je puisse faire pour vous, en tout cas. Ah ouais, hein. Si je vous aiderais plus, ce serait... là, j'aide surtout, et je tiens à le préciser aux gens, je jette parce que, selon moi, la neige, c'est peut-être un peu facile, quoi. Surtout que c'est juste dans un coin de la base, techniquement.
Franchement, ça a abusé la neige. Ouais, c'est... si tu peux pas assaut par les arbres, tu peux pas assaut par la neige. C'est la même chose. Ouais, selon moi, c'est aussi c'est un élément naturel comme l'arbre aussi. Ce qui est embêtant, c'est qu'on s'est pas préparé. C'est pas parce qu'on a fait une erreur dans le sens d'habitude, tu oublies de fermer ou quoi. Non, c'est vraiment juste un truc qui est ils pas ont adaptable. Ils ont utilisé le décor. C'est pas habitué. Ouais, c'est du décor. C'est pas. Yep, c'est pas du fait. Décor. Du coup, bonne chance, je disparais. Merci beaucoup, Dieu. Ne m'appelez pas Dieu, ça fait bizarre. C'est pas moi qui voulais m'appeler Dieu, appelez-moi Satan. Ok, Dieu Sama alors. Au revoir Satan Sama. Alors l'équipe rouge là. Ah bah tiens, ils se sont chopés le poison, tiens. Ah j'ai pas vu ça, dommage. Ah c'est dommage, j'ai pas vu. Genre là, attends, on a les Netherwart et la Blaze Rod. Est-ce qu'on ferait pas l'alambic? Ok, il est temps de faire une petite prank. Si vous voulez bien. C'est moi. Je vais mourir. Et non, tu peux pas mourir. Bah je tombe à un demi-cœur quoi, il suffit qu'il y ait un mob et c'est fini quoi. Oui. Je vais jeter des trucs qui me servent à rien honnêtement. Ah ! Ah ! Quoi ? Je me suis pris un tir de gaz, ça nous a pété la base. Ah bon ? Oui, remonte. C'est la malédiction. Non mais j'ai un demi-cœur moi. Bon bah remonte pas. On a une base détruite. Le dieu là, il a la malédiction de la grotte, elle a fait mal. Aïe aïe. Ah c'est tout, c'est juste ça? Ouais mais sur le coup je me la suis pris dans la gueule moi. Il veut me faire mourir, il veut me faire mourir. Va te planquer, va te planquer. Il veut me faire mourir. Va te planquer. Non non je me planque pas moi, j'affronte le dieu face à face. Mais non t'as des niveaux. Qu'il vienne à moi ou j'en ai 8. Bon alors attends, du coup, moi je voulais jeter des trucs. Bim, allez. Tu l'as renvoyé? Je lui renvoie. Je joue avec lui. Ah, bon, pas celle-là. On a beaucoup de bouffe, hein, si besoin est. On a énormément de bouffe. Détruis notre base. Pourquoi tu fais cuire de la cobble? Tu vas voir. J'en ai besoin. Ah, parce que je viens de l'arrêter, là. Merde. Ouais. Je viens de littéralement l'arrêter. Défense la base. C'est déjà un peu trop de... Je l'ai quitté. C'est déjà un peu trop de... Comment dire, je les ai déjà un peu trop affectés là. C'était un petit peu pour les punir pour ce raid sur les bleus qui selon moi était un peu injuste. Mais si j'en fais plus, ce serait trop d'influence selon moi. Donc là, c'est ça, les a déjà fait perdre un peu de temps, ça les a occupés un petit peu, mais plus serait trop en fait. Après, rien ne m'empêche d'aller buffer un petit peu les autres équipes ou autre chose, ou d'offrir une nouvelle récompense. On verra bien. Je propose d'offrir une récompense à mi-chemin entre la base jaune et la base bleue. Bien que non, la base bleue, ils sont tellement mal en fait qu'ils vont même pas aller chercher la récompense parce qu'ils vont se dire que bah, c'est trop dangereux en fait. Donc je ne peux pas faire ça non plus. Donc ça c'est problématique, ça c'est l'équipe jaune. Comment ça se passe chez l'équipe jaune? Il me semble qu'ils sont en train de voilà, enchanter tout ça. Ok. Ok, on est bientôt à la fin de l'épisode. Pour le prochain épisode, je préparerai un nouveau donjon dans le Nether. Avec un peu plus de récompenses, certainement. Après, enfin, là, il n'y a que l'équipe jaune ou l'équipe rouge, justement, qui pourrait... Bah, voilà, ça finit dans 30 secondes. Qui pourrait aller la voir, donc c'est un petit peu problématique. Et Monsieur Sifano, du coup, est à la maison. Qu'est-ce qui se passe chez l'équipe bleue? Je vais aller voir, vérifier que tout va bien, quand même. J'aimerais qu'il ressent un peu plus dans le jeu, quoi qu'il arrive. Ça a l'air de pas trop mal aller. Ils ont enlevé la neige, ok. Ils ont enlevé la neige, ça a l'air de pas trop mal aller. Vous êtes parti avec mes sauts. Vous êtes sérieux? Oh bah fin d'épisode. C'est donc la fin de cet épisode, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire comme d'habitude. Et je vous retrouve pour un prochain épisode. Ciao ciao.